tu préfères qu'on arrête tout de suite? Tu veux aller pleurer? Ça te fera sûrement beaucoup de bien de lâcher un peu de pression. Je parie qu'il n'y a pas de dragon femelle dans votre profession. Eh bien, elle ne doit pas s'amuser tous les jours avec toi. Oh que si, on est du même sang tous les deux et ma mère trouve que je lui ressemble énormément. Mais assez parlé de nous, donne-moi la boule que tu as sur le front. Oh, tiens-toi sur tes gardes, Pan. Pour moi, tu n'es qu'un misérable ver de terre. Je pourrais t'écraser d'un seul coup de patte si je le voulais. Alors pour ton bien, je te conseille d'arrêter de me donner des ordres. Si tu savais comme je m'en moque de tes conseils, grosse baleine. Pan, n'y va pas. Tu vois pas qu'il est en train de se transformer? Combien de fois je dois te répéter de réfléchir avant d'attaquer et de bien observer ton adversaire? Évidemment, toi, tu n'en fais qu'à ta tête et tu fonces dans le tas. C'est pas comme ça que tu deviendras un bon super guerrier. Je pouvais pas deviner. Bon, maintenant, on fait quoi? Rien du tout. On l'observe. Ça doit être pratique de pouvoir gonfler son ventre à volonté. J'espère que ça marche aussi dans l'autre sens. Sinon, t'es bon pour faire un régime. De toute façon, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Gros ou pas, je te battrai quand même. Ah oui, tu en es certaine, t'as pas peur? Pas du tout. Pan, sois prudente. Attention, danger, n'y va pas, Pan. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis gênée. Kiki, Kiki, ah!